C'est mal au genou. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ah, je vous ai eu. Aujourd'hui, on va parler des blessures. Dans la série web Je danse ma vie, l'épisode 7. Les blessures, c'est quoi? Les blessures, c'est quand tu te fais mal. Ben, je pense que vous savez c'est quoi une blessure. Mais en danse, là, une blessure, là. Quand tu danses, là, pis tu fais une graphine, c'est pas une blessure, c'est rien. Quand tu danses, pis tu te fous une cheville, ça c'est une blessure. Pis c'est important dans la danse de bien s'étirer, de pas aller tout croche, d'aller tranquillement. Si tu fais un mouvement pour la première fois, faut pas que tu y ailles brusque, faut que tu y ailles étape par étape. C'est scientifiquement prouvé que le squelette humain est fait pour demeurer en place. Ah bon? Parce que moi, je me suis déjà blessée. J'ai pas pu danser pendant 2 semaines. Moi j'ai eu là. J'ai pas pu danser pendant 1 mois là. Mois de décembre, j'ai pas dansé partout. Parce que je pouvais pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est bien important quand t'es un athlète d'être prudent. Parce que les blessures, ça peut arriver tout le temps. Parce que t'as tellement de choses à perdre là, si tu te blesses, là, tu peux perdre tes compétitions, tes pratiques. Les trampolines, là, c'est très très dangereux là, pour un danseur. Tu sais, si toi tu fais de la trampoline, mais c'est ton sport, t'sais, c'est correct là, mais pour un danseur là, si t'aimes vraiment faire ça, ben il faut que tu coupes des affaires. Comme le patin, pour les poignets, il faut que t'en fasses le moins possible. Oh, Julie, c'est tellement beau ce que tu dis, tes conseils là. Oh, j'adore. Ouais, c'est très important que tu fasses attention à ton corps pour pas te blesser. Je comprends. Je comprends très bien que si t'as mal, tu dois arrêter. Si tu te blesses, là, c'est pas grave. Les vrais durs, hein, ça endure la douleur. Moi, je connais quelqu'un, mon ancienne prof de ballet. Elle est vraiment bonne en ballet, puis elle était partie pour faire une grande carrière, des grands ballets. Et elle a sauté sur une trampoline. Il est arrivé avec un accident. Et elle a dû oublier sa carrière et elle pouvait plus danser. C'est triste parce que tu peux faire ce que t'aimes. Si t'es un athlète d'équipe, une danseuse d'équipe, toi tu t'aimes beaucoup à la danse, à rester puis à faire attention à ton corps, c'est sûr que si tu te blesses, ça a un impact sur l'équipe. Tu vas te dire non, mais j'aurais dû faire plus attention à mon corps. Eux, ils doivent annuler, je sais pas moi, la choré. Changer toute la choré ou trouver un remplaçant. C'est très important de faire attention à son corps et d'y penser souvent quand tu veux essayer quelque chose. Fais-toi superviser parce que c'est très important. Vraiment. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime. Abonnez-vous, écrivez-moi un message. Écrivez-moi c'est quoi votre façon. C'est sûr que j'aime répondre, j'adore ça répondre aux autres. Surtout, ne manquez pas l'épisode 8.